Bonjour tout le monde. Là, c'est pas l'organisateur de l'émission. Là, c'est Alain Gauthier Mvomo, Minute du Oise. Afembaï. Taguez-moi Landry Washington ou l'eau gladiator ou gladiateur ou je sais pas quoi là. Si c'est l'eau gladiateur ou l'eau gladiateur ou je sais plus quoi. Essayez de me le taguer là. Taguez-moi Washington, l'eau gladiateur ou radiateur, je sais pas ce qu'il est, cette pastèque là. Taguez-la moi là. Voilà, là c'est pas l'homme de l'émission Le Dialogue du Mapan. Là c'est Alain Gauthier Mvomo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la minute du Oise. Ça fait un bail que je ne l'ai pas faite. Je suis obligé de faire cette minute du Oise aujourd'hui là. Taguez-moi Washington. Et puis qui vous voulez. Faites. Je vais partir là. Je prépare mes mais. Là, c'est l'heure de la minute, c'est la minute du Oise. Voilà. Donc, taguez-moi les gars rapidement là. Rapidement. Je vais faire un petit récapitulatif rapidement, rapidos là. Tranquillement, tranquille. Comme dit souvent mon grand frère. Hugues me fan. Mais tout quoi. Bon à vous. Taguez-moi, là, il s'appelle c'est l'eau radiateur ou gladiateur ou l'eau gradator, je ne sais plus quoi là. Faut me le taguer là. On va aller maintenant dans le vif du sujet parce que je cache trop là. La pastèque des States. Taguez-moi la pastèque des States. Les nouveaux Nono Boys. Voilà. Partagez le live vite. On va terminer. On va quitter ici là. Faites ça vite là. Réveillez tout le monde là. J'ai pas le temps. Je prépare mon émission tout à l'heure. Voilà. Donc réveillez. Taguez-les-moi rapidement là. On va se parler un peu une minute. Bonjour, c'est l'heure de la minute du Oise, ça fait un bail. Hein. Désolé pour ceux qui m'ont appelé plusieurs fois pour me dire oh mais c'est comment avec la minute du Oise, tu es maintenant trop que dans l'émission, le dialogue du Mapan. Mais nous on adorait la minute du Oise et tout. Je vais reprendre la minute du Oise dans bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mercredi, on ferme d'abord avec le dialogue du Mapan. Ensuite, je vais revenir avec la minute du Oise. Taguez-moi tous ces gars. Taguez-moi, vous avez le titre avec vous, là. Montez les enchères. Oh, vous dormez trop. Montez les enchères. Les gens veulent l'encham, mais ils vont avoir l'encham. On va pas à la boutique pour acheter l'encham. Moi-même, je suis un chameur. Même un chameur. Mal, mauvais. Donc, taguez-moi le gladiateur ou le radiateur, je sais pas quoi, là. Taguez-le-moi. Est-ce qu'il est là? Vous l'avez tagué là? Amiens, Washington. Faut me le taguer un peu là. Voilà. Parce que les autres ne m'intéressent pas. Ce sont ces petits pions. Je m'intéresse aux gros poissons. À la pastèque des States. Alain Gauthier Mvomo. Au gladiateur. Hein, pas qu'il y a les gladiateurs au Gabon. Pas qu'il y a, les... Il y a maintenant les gladiateurs. Anini. Ah, me fanme toi. Taguez-moi, me fanme toi là. Taguez-moi, Hugues, me fanme toi là. Rapidement. Bon à vous. Faites vite. Taguez-moi, Hugues, me fanme toi. Taguez-moi, Hugues, me fanme toi. Oh, vous aussi vous fatiguez. Hein. Vous voulez un peu d'encham, non? Vous ne voulez pas un peu d'encham? J'arrête, je laisse. Si vous voulez, je laisse. Hein. C'est l'heure de la minute du Oise. Toujours Oise, les gars, au quartier. Toujours. Là, c'est l'homme de la minute du Oise. Ce n'est pas l'homme du dialogue du Mapan. C'est Alain Gauthier Mvomo. Bon, je vais faire ça très rapidement. Hein. Moi, je ne suis pas un buzziste. Mais je sais qu'on me suit. Même quand je vois une seule personne, je sais qu'il y a des milliers qui sont en train de regarder. Parce qu'ils savent que quand Alain Gauthier sort, c'est mauvais. Bon, on va aller calmement. Tu sais, Washington, Amiens, Washington, tu sais, hein, moi je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Alain Gauthier Mvomo. Malé. Je suis à DP en Ngondje. Quand tu veux, la dernière fois je t'ai dit, tu me dis, je viens, on fait ça en live.
On fait ça en live. Ouais, frangin. On fait ça en live. Tu sais, hein, tu n'as pas besoin de prendre le nom d'Alain Gauthier. Quand Alain Gauthier a dit qu'il dégage de ton mouvement, mais Alain Gauthier n'a pas fait de bruit, les gars. Vous m'avez vu partir de là-bas. J'ai pas fait de bruit, oh. J'ai regardé bien. Je me suis rappelé de ce que le frangin que j'ai dû faire fermer un peu la bouche sur toi là, qui a dit que ses enfants lui ont parlé alors qu'il sait que ah moi quand tu es déjà pas gabonais, moi je suis déjà contre toi d'avance. Donc je me suis rappelé de ce que Franck la vérité parlait. J'ai dit ah. La question que je me suis posée, c'est que, mais Gauthier, ouais, tu fais le combat depuis combien d'années? Depuis 1993, tu étais encore petit. Tu as vu Washington quelque part dans le combat? Je me suis dit, oh, mais oui, en fait, c'est vrai. Même avec un Mbappé solo, j'ai pas vu Washington là-bas, hein. Parce que ah, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelais pas. Et je me suis dit encore, mais Gauthier, oui, bon, on va arriver là plus à côté là. 2009, tu as vu Washington à côté de toi. Tu es quand même balayé comme ça, je guette. Ah ouais, vrai, vrai. Hein? Non. Vrai, vrai, je n'ai pas vu Amiens, Washington ou le gladiateur ou gladiateur. Ou je ne sais plus terre. Bon. J'ai dit non, non, non. Mais il paraît qu'il était au steak. Il avait le téléphone. Il disait Ali Bongo, compte ta mère. Il insultait tout le monde, cul ta mère, tout ça. Tiens, le frangin là est violent, hein. Le frangin là est violent. Ouais. Et puis je me suis rappelé que. Oh, mais même 2016, mais dans la rue de Libreville, j'ai pas vu Washington en fait, c'est vrai. Mais les gars, ils étaient où? Mais comment? Moi, je me suis battu, je me bats là, mon ferme, je ressors, mon mets en tôle, je ressors. Les cellules même, je ne compte pas. Les bastonnades. Mais comment Washington peut y devenir genre comme c'est lui mon boss, quoi? Genre, c'est lui qui doit décider que bon, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. J'ai guetté ça comme ça, quoi, les frangins. Comme ils veulent me pousser à parler, non? Vous avez vu, depuis que je suis allé dans le... J'ai enlevé le corps dans leur affaire. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la merde. Je suis un winner. Moi, je suis un winner. Je me bats pour le Gabon. Point barre. Voilà. Quand on veut déjà faire les choses personnifiées, j'aurais pu partir aussi aller manger à Ngondje. J'ai dit, oh, au lieu d'aller manger à Ngondje, ton nom sera Bado. J'ai enlevé le corps. Tranquille. Tranquillement, tranquillement. J'ai enlevé le corps, oh. Tranquillement, tranquillement. Je me suis dit, ah. Mais... Comment Washington, qui a fait l'anti-mostet, il arrive au Gabon, et puis il dit maintenant que c'est lui le meilleur ami du nouveau président. Si quelqu'un veut voir Oligui, il faut d'abord qu'on passe par lui. En tout cas, il va fermer les portes aux gens. Parce que si je fais le live aujourd'hui, parce que ça m'a été confirmé ce matin. Donc depuis là, je ne parle pas, je dis que laisse. On risque de dire que tu es jaloux d'eux. Moi, je ne suis jaloux de personne, non. Mais, comme ça a été confirmé, j'en parle déjà parce que je prends le peuple à témoin. Parce que ça va aller de mal en mal. Ça va aller de mal en mal. Et j'assure, regarde, je suis à l'aise. Pas de voiture, je suis à pied. Regarde, pas de garde du corps. Je marche toujours seul. Ceux qui me connaissent savent que Gauthier, il n'y a pas une rue de l'aise. Quand tu me vois seul marcher là, et les guérios, demande à un de tes éléments. Demande à un de tes éléments qui est avec toi. Pose-lui bien la question que c'est qui Alain Gauthier. Quand tu me vois seul, en réalité, je ne suis pas seul. Parce que n'importe quel quartier, quand je mets les pieds, je marche. Tu me vois marcher seul, mais il faut tenter, tu vas voir. Il faut tenter. Je te mets au défi, hein. Faut tenter. Regarde, regarde, tu vas voir le scanner. Tu vas voir le scanner, le vrai scanner. Toi, Washington, le gladiateur, quoi. Donc, Washington me dit maintenant que non, parce qu'il disait ça partout. Hein. Que, en tout cas, maintenant, Oligui a pris là. Moi, oh là là, moi, c'est terminé. Hein. Celui qui verra Oligui, machin, j'ai dit que, ah, mais Washington. Mais Washington, le président t'a dit
que amènent les activistes du Gabon. Voilà où j'ai commencé à me rebeller. Le président a dit qu'amène les activistes du Gabon. Moi, je n'avais rien à faire. Allez-y voir mes vidéos. J'ai même dit que moi, je ne peux pas voir Oligui, Ancicia, Barré. Je veux qu'on mette tous les médias du monde entier. Alain Gauthier, je rentre à la présidence en gladiateur, en combattant de la liberté. Tout le Gabon me voit rentrer. Donc, j'ai dit à Washington que non, moi, quand on part, je ne me cache pas comme vous. Je ne vais pas aller qu'on va m'amener au petit couloir, aller voir le président. Moi, les médias, la chaîne 1, la chaîne 2, toutes les chaînes de télévision sur le net, on les appelle à la présidence, Alain Gauthier. Je me regarde, je rentre fièrement. Je salue l'ONDIM. Je salue le président, je lui dis merci monsieur le président. Vous m'avez sauvé la vie. Parce que l'affaire Oseni a failli m'amener à la tombe. Je sais de quoi je parle. Et comme vous l'avez fait, le bon geste, je reste fidèle à Oligui jusqu'à ma mort. Allez voir mes vidéos, sont encore là, moi je ne me cache pas. Oligui n'est pas venu me voir pour dire qu'il faut me soutenir. Il n'y a aucune personne, même pas toi à Washington. C'est la libération en personnel qui m'a dit, si ce gars-là a fait ça, ah ouais, non, je meurs pour ce gars-là. Alors donc, quand tu as commencé à dire aux gens que, ouais, pour que quelqu'un voit, je te dis non. Il y a des vrais combattants. Les Pastondo, les Bakobreti, même le Doux, même s'ils sont comme ils sont. Mais c'est les gars qui ont combattu ici, il faut qu'on les mette dans la liste. Tu as commencé à dire non, tel m'avait insulté quand j'étais à la diaspora. Je ne veux pas voir Consti, le petit Consti même. Tu as refusé. Je t'ai dit, mais Washington, c'est pas toi le président. Ce n'est pas toi le président, Frangin. Le président, c'est Oligui et il t'a envoyé chercher les activistes du Gabon et toi, tu ne les connais pas. Nous, on les connaît. Moi, je les connais. Les vrais. Et tu as dit non, t'es insulté. Machin, je dis, mais toi-même, tu as passé ton temps à insulter Ali Bongo. Tu as passé ton temps à insulter Ali Bongo. C'est l'occasion de renouer avec ceux qui t'insultaient hier. Tu as dit jamais, c'est toi qui commandes. Quand tu as commencé à parler, c'est toi qui commandes. Moi, je sais que tu ne peux même pas un peu me commander. Et tu sais ça toi-même. Et je te défie que fais un live. Réponds-moi. Dès que tu vas me répondre, regarde, tu vas sentir la douleur dans l'angoutier. Tente de me répondre seulement. Je fais la vidéo là. Fais aussi. Si tu as les couilles. Fais. Regarde, si tu as les couilles comme moi, regarde, j'ai des bonnes burnes. Mes burnes, regarde, je suis seul. Regarde, si tu as des burnes, fais une vidéo. Petite pastèque des States là. D'accord? Moi, je ne m'appelle pas Ali Bongo que tu insultes n'importe comment. Hein. Je ne m'appelle pas Ali Bongo. Regarde ma tête. Il faut regarder ma tête. Ali Bongo, que tu es un sud con de la mer, tu vas te connaître, tu fais au steak. Quand tu es allé en prison, tu manques, tu dis à tout le monde, oh non, oh, j'ai fait mon combat. Tu personnifies le combat des vrais Gabonais comme moi, à ta coquille de prison que tu allais faire là, à derrière la prison chez moi. Tu as fini d'escroquer les gens, tu vas en tôle, tu mens aux gens que tu es allé en tôle à cause du pouvoir. Mais tu as escroqué le pouvoir. Tu as escroqué le pouvoir et tu as défié le pouvoir au steak et tu as voulu jouer les gladiateurs en disant j'arrive, machin pour le buzz. Tu croyais qu'ils n'allaient rien te faire, ils t'ont récupéré. Et ils t'ont mis en tôle pour escroquerie. D'accord? Pour escroquerie. Montre-nous les papiers de qu'on t'a donné récemment là. Les résolutions de là-bas. Montre un peu aux Gabonais les papiers du tribunal. Prendre ça un peu comme ça, on va voir le motif. Et tu as profité en disant, ouais, non, mon combat. Tu n'es pas allé en tôle à cause du combat. Parce que tu es une petite escroc. Tu es une escroquerette. On est une escroquerette. Petite mauviette de merde. Toujours au-dessus là. Toi, le terrain là, toi. Là, tu as oublié de marcher avec beaucoup de personnes là. Marche seul. Tu es dans un pays libre. Tu es dans un. Oh, ne m'appelez pas. Il m'a cherché, il va m'avoir. Marche un peu seul à Elbeuf. Comme moi, Alain Gauthier, regarde seul.
Tu as mon numéro, appelle-moi, je te retrouve, on fait le live en direct, de la rencontre, on parle, toi et moi. Si tu veux aller plus loin, on va plus loin. Tu veux aller loin, on va plus loin, on va plus loin. Donc, quand quelqu'un ne vous emmerde pas dans votre mascarade et qu'il ne parle pas de vous, faut le laisser tranquille. Va continuer à dire aux Ligue que oh, les Alain Gauthier sont, ils sont pas saisissables. C'est des gars qui ont mangé avec Ali Bongo. Il ne faut pas les avoir avec toi parce que tu vas regretter les avoir. Regarde, prends Oligui, tu te le gardes toi-même seul. Garde ton Oligui. D'accord? Je te le dis, j'assume ça, vous m'arrêtez, vous m'arrêtez. Mais la personne qui va m'arrêter, elle vient seule. N'amène pas la cargaison. N'amène pas la cargaison puisque toi, tu veux m'arrêter. C'est toi qui décides, non? Toi-même, tu prends l'avion ou bien tu prends la voiture, tu viens un peu arrêter Alain Gauthier. C'est pas la peine d'amener la cargaison. On va voir deux camions de je ne sais pas quoi là. Pour arrêter un seul individu. Comme d'habitude. La personne qui va m'arrêter, elle vient seule. Elle va voir qu'il y a un garçon. Moi, je suis garçon. Vous voulez m'arrêter à cause de qui? À cause de la pastèque d'Esther qui raconte des bobards à Oligui du jour, du matin au soir. Il raconte n'importe quoi. Il va prendre l'argent sur le dos du PJC. Il va s'acheter les hôtels en Jolet pendant que les maboules sont là et le regardent en croyant qu'ils vont avoir quelque chose avec lui. Vous n'aurez rien. Moi, j'ai refusé l'assujettissement. Et je te l'ai dit en face que moi, je ne suis pas dans tes conneries. Et je te dis ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme je te le dis souvent en face, que moi, tes conneries, ce n'est pas avec moi. Tu as fait ça avec les autres qui te suivent comme des petits chiens, là. D'accord? Donc, quand tu as raconté ça à Oligui, mais j'ai passé mon temps avec Ali Bongo. Mais je te donnais des noms. Ceux qui étaient à l'époque, ils te diront. Mais quand on sort de la vidéo de ma rencontre avec Ali Bongo, si Ali Bongo lui-même sort la vidéo, il aura honte. Parce qu'il sait qu'il a eu en face de lui un homme. Moi, j'ai les couilles. Quand je commence un combat, c'est comme si je blaguais. Hein? C'est comme si je mentais. C'est comme ça. J'ai dit, je vais faire le dialogue du Mapane. Les gens croyaient qu'il fallait l'argent. Je vous ai dit, hein. Alain Gauthier Mvomo, j'ai passé toute ma vie à faire l'opposition. Dans l'opposition, on ne gagne pas l'argent. Donc tout ce qu'on a pu faire dans l'opposition là, malheureusement, on a vu aussi des PDGistes qui sont venus tuer notre opposition. On le faisait sans argent. Mais pourquoi je vais attendre l'argent de vous pour faire mon dialogue? Je fais mon dialogue sans 100 balles. Personne n'est derrière moi. Vous continuez à fouiller au haut, qui le sponsorise. Allez voir pas, allez, sortez la doc. Il n'y a personne qui est derrière moi. J'assume ça parce que j'ai toujours fait les choses seules et sans argent. C'est pas aujourd'hui que j'aurais besoin d'argent pour faire mon dialogue du Mapane. Je fais mon dialogue du Mapane. Ça, c'est pas la peine de fouiller les trucs derrière. Vous voulez menacer les gens en douce. Tu as fini de menacer le pauvre petit. Tout est à refaire. Là, fini de le menacer. Et voilà, finalement, vous êtes allé le calmer. Je suis au courant. Donc, quand tu fais tes petits manèges, hein, regarde la pastèque des steaks, là, pastèque des steaks. Regarde, faut bien, regarde, réfléchis bien. Bonoua, est-ce que celui-là, je peux le faire, ça? Est-ce que celui-là, je peux le faire? Faut bien choisir les gens. Si c'est Alain Gauthier, regarde, il va rien dire que tu as tapé poteau. Regarde, tu as tapé poteau. Hein? Embrouille qui te suivent comme des petits chiens là. Tu les connais toi-même. Moi, je ne peux pas être ton chien. Et je te dis que prends Oligui, tu le gardes avec toi. Tu m'entends bien? Voilà, c'est mon live, c'est mon numéro de téléphone. C'est ma bouille, c'est mon nom. Je n'ai pas mis le gladiateur, j'ai mis Alain Gauthier, c'est mon nom. C'est pas le nom de quelqu'un d'autre. D'accord? Tu le prends, vous allez faire vos amitiés, faites vos amitiés. Tu m'entends bien? Mais je vous attends. Je vous attends. Si vous ne m'arrêtez pas avant, mais je vous attends quand on va faire l'élection. On va voir qui connaît le terrain. On va voir qui connaît le terrain. D'accord? On va voir. Le terrain que tu dis que tu connais là. Tu es même incapable de réunir quelques activistes. Hein? Tu as amené combien là au dialogue? Vous étiez à combien? Vous représentez quoi? Quand on parle en termes de vote, la nouvelle constitution que vous avez faite là, cette constitution là, elle dit quoi?
On a un régime quoi, présidentiel, non? Même s'il y a les quelques cacas dedans, quelques cacas. Hein? Même si on dit, la présidentielle, c'est quoi? On ne va pas au vote. Quoi? Vous préparez une autre façon aussi de voler les votes. Vous êtes tellement sûr de vous. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Qu'est-ce qui vous rend si sûr que même Oligui est avec vous? Qu'est-ce qui te rend si sûr que même Oligui est avec vous? Vous êtes maintenant en train de boire le champagne, vous naguez les gens, vous allez parler mal, oh, faut pas caler un côté. Moi j'ai demandé, vous avez vu une demande d'audience là-bas, en mon nom. Tu as vu ça là-bas? Tu as vu une demande d'audience? Même quand Ali m'a reçu, on t'a dit que Alain Gauthier, moi j'ai fait une demande d'audience à Ali. Bon, il est venu me chercher 3 fois. Je lui ai dit que je ne viens pas. Comme je peux dire à Oligui que je ne viens pas, je ne veux pas venir. Moi je suis un homme libre dans la tête. Tu m'entends bien, non? On est libre. Donc, vos histoires que vous faites là, d'aller croire que, parce qu'on a eu quelques centaines de millions, on allait acheter l'hôtel en Jolet, on croit maintenant qu'on est puissant, tu ne seras jamais puissant, tu es une merde à mes yeux. Je te le dis, et je te le dis même en face, tu me donnes rendez-vous, je viens. Si tu me donnes rendez-vous, je viens. Mais tu n'as pas les couilles de le faire parce que tu sais que tu ne le feras pas. On fait le live. Je viens. Moi, je viens. N'importe quel quartier, même en Ngondje, je viens. C'est quoi, c'est ça? Si vous avez laissé faire votre affaire, j'ai refusé de trahir les autres peuples, les autres Gabonais activistes. J'ai refusé ça. Et quoi? Mais c'est pour m'en vouloir à cause de ça. Moi, j'ai la loyauté. Je suis un homme loyal. Quand j'ai dit oui, c'est oui. Comme quand j'ai dit oui à Oligui, c'est pas vous qui m'avez attrapé la tête. C'est moi-même qui ai dit oui. Et je continue à dire oui, mais sauf que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait. Et je ne veux pas être d'accord parce que vous êtes une peste pour sa politique. Et il n'y aura pas loin avec vous. Je vous le dis clair. Il n'y aura pas loin avec vous. Vous êtes vide dans vos coquilles. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Si vous êtes en mission, avec le PDG que vous avez travaillé avec, on t'a dit que le nom de Mvomo va voir dans tous les PDGistes. Tu as entendu le nom de Mvomo là-dedans? Toi, tes parents sont des vieux PDGistes. Tes parents sont des PDGistes avérés. Vous êtes tous énervés contre Ali parce que vos parents n'avaient plus rien à manger. Vous êtes devenus des opposants. Moi, je suis resté opposant, fils d'opposant, de pauvre. C'est la vérité. Aujourd'hui, vous êtes des milliardaires, vous venez vous taguer d'être pauvre parce que vous narguez les pauvres. Oh non, moi, je sors de Kingélé. Hier, vous étiez capable de dire à quelqu'un que vous habitez Kingélé. Vous aviez même honte de reconnaître votre pauvreté. Nous, on reconnaissait déjà notre pauvreté depuis dans les années 80. Dans les années 80, nous on disait là comment je suis derrière la prison. On était fiers. D'accord? D'où on avait même créé le groupe CIPOSIX. Oh, Nyanevema, Kilana Dawana, Medawana, Kilana. Voici le quartier pourri. Tard le soir, minuit, on adore la nuit. On n'aime pas la police et les ennuis. Oh, LBV by night est une vie de chat qui se gratte au bord de mer. Oula. Tu connais, non? Donc nous on était déjà fiers. Quand vous avez vu que les Gabonais, de fils de pauvres, ont retourné l'injure que vous leur faisiez à l'époque. Oh, fils de Matiti, regarde, c'est les enfants de Matiti là, non? C'est comme ça que vous nous appeliez hier avec vos parents qui étaient les bourreaux d'Omar Bongo. Vous appelez les frères, oh, c'est les enfants de Matiti. Quand tu étais dans Batterie 4 et tout ça là, nous on était à DP. Nous on s'est approprié le terme Matiti. On l'a rendu aujourd'hui que tu vois même un enfant de riche dit que oh, moi je viens du Mapane. Quel Mapane? Toi tu connais la vie du Mapane? Tu connais ce que c'est, la vie du Mapane? Mais il y a moi des gens. Non, excuse-moi, Quentin, le cartésien. Il y a des gens qui, vraiment, qui méritent d'être en prison, on les encule un peu là-bas. Comme ça, ils vont savoir que quand les gladiateurs, comme nous, on va en tôle, on ressort propre, c'est parce qu'on est des guerriers d'abord avance. Et quand on arrive là-bas, on trouve les autres guerriers. Et ils savent que c'est tel. Parce que je n'ai pas fait du mal dehors. Je me suis barré de l'écurie de Washington, c'est même pas de lui que je me suis barré. Je me suis barré de la forfaiture. On ne trahit pas les autres. On ne ment pas un chef d'État. On ne ment pas un président. Surtout que c'est un Gabonais de père et de mère. On ne ment pas un chef d'État. Le mensonge que vous nous faites au quartier tombe sur lui et il va payer les conséquences forcément. Donc moi j'alerte déjà ça. Parce que depuis que j'ai barré leur forfaiture, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre les vrais combattants dans le groupe pour aller rencontrer le président. J'ai dit que bon, moi je ne peux pas trahir. J'ai commencé à parler ça doucement. Que non, moi je ne peux pas.
Tu m'amènes les gars de la diaspora. Les gars de la diaspora, ils ont fait quoi? Encore qu'on connaît qui est la diaspora, qui a fait le combat. Même si j'ai l'habitude de dire, moi, les gars de la diaspora ne me blessent pas en tant que tel. Mais je connais quand même à la diaspora qui ont fait comme Hugues Mofane, mais toi, que je n'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Mais parce que l'homme apprend, on s'est apprécié dans la vérité. Parce qu'il a dit, Alain Gauthier, tu es honnête. Moi, j'ai vu que Hugues Mofane, ouais, tu es un gars honnête. Mais on ne s'est jamais vu. Après, on a appris à se comprendre. Dans la diaspora, j'en compte ceux qui ont fait le vrai combat dans la vérité, comme moi je l'ai fait au Gabon. Je les compte et je les connais. Donc, tu n'as pas amené des petits Tintins, la preuve, vous les voyez aujourd'hui. Vous avez vu les Tintins, non? Les Milou. Ben voilà. Les Tintins et Milou sont là. La preuve de ce que je dis. Tout le monde est en train de dire que, oh, mais vraiment, c'est comment? Ce qu'on on refusait des autres hier, c'est ce que vous nous faites maintenant aujourd'hui. Mais Alain Gauthier, j'ai été le premier à commencer à alerter. Quand j'ai commencé à faire mon dialogue du Mapan, aujourd'hui, les gens font maintenant aussi les émissions. Beaucoup d'émissions sortent. Mais parce que je sais que c'est les gars du palais. Les gars du palais qui ont dit qu'il faut tuer le dialogue du Mapan. Donc on subventionne certains pour faire les émissions aussi à 17h pour tuer le dialogue du Mapan. Même vous n'allez pas tuer le dialogue du Mapan, là, Washington. Vous n'allez pas tuer le dialogue du Mapan. Même avec un seul Gabonais, on va continuer le dialogue du Mapan. C'est mon bébé. Et c'est mon bébé, je dois le faire grandir, il va grandir. Si j'ai pu faire grandir Jean Ping, j'ai pu faire grandir à Andrew Mbobam. C'est un bébé à moi-même, l'Union Nationale. Vous croyez que c'est un bébé à moi-même que je ne vais pas faire grandir, avec tout ce que je connais. Moi, je suis un vat en guerre. Mon un vat en guerre, mon est sangui belle et belle. Moi, il y a un me. Moi, ne me bavine quand. On va dans ma tour, on va aller. Donc, tu restes tranquille. Mange ce que tu manges. Bois ce que tu bois, mais je te peux te rassurer quelque chose, tu vas bientôt tomber. Mange ce que tu manges, bois ce que tu bois, avale ce que tu peux avaler pour l'instant. Mais je te dis une chose, bientôt tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est moi qui te le dis. Regarde, tu vas tomber. Parce que quand les comportements ne sied pas, même tes propres amis avec qui vous jouissez aujourd'hui, vous allez commencer votre bagarre intérieure. Moi, j'ai commencé ma bagarre avec toi, c'est à l'intérieur, non? J'ai commencé à l'intérieur, non? Parce que c'est quelqu'un qui m'a arrêté, que je n'ai pas envie de nommer ici. Quelqu'un qui me disait, non, calme-toi. Fais une vidéo, si tu as les couilles. Regarde, fais une vidéo. C'est ce que j'attends, là. Là, je suis venu te provoquer. Fais une seule. Et tu vas me sentir. Regarde bien au fond. Regarde, ce sera au fond. Je garde encore le meilleur pour ma réponse. Je garde le meilleur pour ma réponse. Regarde, je vais te mettre ça au fond, bien comme ça. Sans vaseline. Tu vas sentir. Moi, je suis un gonzo. Moi, je ne bavine quand. Comment? Voilà. C'est de ça à qui s'agit. Donc, je viens de te dire ce matin-là que c'est le deuxième avertissement. Moi, j'ai des personnes qui me parlent en grand. Je suis avec des vieilles personnes, Mbappé Solo. Je suis avec les gens comme les bas, le vieux Luc Bongone aussi qui me parle. Je suis même ceux qui vont me tirer les oreilles tout à l'heure. Mais il fallait que je te montre que j'ai les couilles. Tu as une grande gueule, je suis une grande gueule. Tu as une petite gueule, je suis une petite gueule. Je m'adapte, je suis un adaptateur. Tu veux parler à un intellectuel, on parle à un intello. Tu veux parler à l'Antcham, on te parle à l'Antcham. Donc, c'est la manière que tu viens que je te prends. Parce que la tête que tu vois là, c'est une tête qui connaît tout ça là. Donc, la manière que toi-même tu vas venir. Tu as vu, non, l'autre avait dit au stade devant l'ancienne premier ministre qui était allé aux États-Unis là. Les gens que je respecte, c'est même la preuve pourquoi tu n'as pas pu les amener devant à côté de Oligui. Soit par jalousie qu'ils vont t'éteindre, tu ne les as pas amenés. Soit parce que, effectivement, tu ne maîtrises personne comme tu as voulu le faire croire à Oligui. Sauf les cinq petits frétins que tu gères là, que tu envoies dans la ville avec toi là. À part eux, tu ne gères personne d'autre. Tu as vu les gars comme Serge Alain, quand il avait dit à Osuka et sa bande que ma réaction va être proportionnée à la vôtre. Donc c'est vous qui déterminez le genre de combat qu'on va faire. Je te dis la même chose, Washington. C'est ta réaction qui va déterminer le genre de combat que je vais faire avec toi. J'attends ta réponse. Mais je te dis, je garde le plus gros.
pour la suite. Tu arrêtes avec le nom d'Alain Gauthier. Tu arrêtes avec le nom d'Alain Gauthier. Faites votre marmaille, mais enlevez Alain Gauthier. Si j'étais un marmailleur, je vous aurais suivi, puisque j'étais bien positionné à l'OPJC. J'étais bien positionné à l'OPJC, j'aurais pu me taire et aller manger avec vous au dialogue. Mais j'ai dit que je ne viens pas manger. Allez-y manger. Moi, je vais écrire la vraie histoire, pas la fausse histoire. Tu as compris ce que je te parle, non? Donc, je te dis, tu la fermes. Tu la fermes. On n'est pas au state, on est au Gabon. Ici, les lois, parfois, on ne les respecte pas. C'est au state qu'on respecte les lois. Donc, tu la fermes. Tu dis encore Alain Gauthier. Et tu dis, mange avec Oligou, tu manges avec Oligou. Laisse le nom d'Alain Gauthier. Tu laisses le nom d'Alain Gauthier, Mvomo. Tu ne connais pas mes parents. Je ne connais pas tes parents. Donc, tu laisses le nom d'Alain Gauthier, Mvomo. Tu n'as pas vu écrire à Oligui. D'accord? Ok? D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, force et honneur à la patrie. Il paraît que c'est enfin notre sort vers la félicité. Mais on va la gagner, cette félicité. Allez, c'était un avertissement. Ciao.